Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sous télévision nationale d'Haïti dans le SAS. Son plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Parole là, c'est pour religion pour la paix. Et on dit qu'à dire, ça fait longtemps qu'on attendait religion pour la paix, mais généralement, il y a une crise dans le pays. Religion pour la paix, toujours fait ça le capable pour porter contribution par lui. Et là, il y a une note qui peut être date 3 juin 2019, côté religion pour la paix, qui dit qu'il est préoccupé par la situation délétère qui caractérisait la vie du peuple haïtien depuis un pile d'années et il est profondément inquiété avec sa spectre de déflagration sociale. Et là, il a alerté la société haïtienne sous incapacité classe politique là pour engager le pays dans la route de développement, obligation, organisation dans la société civile là pour mobiliser. Pour sauver ça qui est capable de sauver, nous allons commenter notre ça et voir qui qualité contribution même capable de porter par rapport avec alerte ça que fait à un pays à et c'est peut-être ça la recevoir une personnalité bien indiquée, une membre religion pour la paix Haïti, secrétaire général là bien entendu, pasteur Clément Joseph qui a accepté répondre à une question TNH matin. Pasteur Joseph, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, bonjour Sergino et bonjour à toutes les téléspectatrices, téléspectateurs de TNH et particulièrement de mise au point maintenant. Religion pour la paix, en forme, côté nous. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui est en forme en Haïti aujourd'hui? Pas quoi non. Mais et nous, c'est une plateforme de croyants. Nous, pas quoi même gens. Nous, pas quoi un bon Dieu même gens. Mais ce qui est clair, c'est que chaque monde croit. Et chaque monde dit. Yo kwen nan yon etran ki transcendant. Et moi-même, m'ap fè yon apprentissage de la transcendance en ayant comme maître Jésus-Christ. Parce que moi, c'est évangélique, moi, c'est protestant, et c'est comme ça y est pour moi, mais pour l'autre monde, il est différent. Mais bon côté, tout le monde rencontré, nous pensons qu'il y a quelque chose et, qui au-delà, qui au-dessus de ça, tout ça que nous sommes capables de voir. Donc, sous base ça, nous nous rencontrer, nous sommes capables de réfléchir sur la situation du pays, nous, et nous sommes capables de tout, s'il est nécessaire pour nous dire quelque chose ou pas. Mais nous n'avons pas une plateforme qui parle tout le temps. Le fait que nous sommes une plateforme interreligieuse, et chaque monde a un ministère par où, une croyance par où, eh bien, nous ne pouvons pas rencontrer souvent, mais là, nous rencontrer, nous rencontrer, nous faisons d'autres activités, et parmi les activités, nous, c'est attirer l'attention sur ce terrain, sous des dangers qui nous ont menacé et la vie et la population haïtienne. Au niveau de la plateforme religion pour la paix Haïti, Pasteur Joseph, est toujours gagné même mieux, représentant protestant, catholique, vaudouisant et musulman, tout le monde toujours là. Et musulmans ou pas aussi actifs que longtemps, nous espérons que ça a changé parce que nous avons gagné avec nous dans l'espace là, et nous avons toujours une contribution très importante en termes de profonde réflexion. Sur la vie population haïtienne, non, c'est notre propre foi, pas yo. Mais toujours été gen protestant et gen catholique, gen anglican et gen vaudou. Et toujours mais, là. Nous dit plateforme pour la religion pour la paix Haïti. Ça n'a pas dit et c'est pas seulement en Haïti qu'il y a religion pour la paix. Religion pour la paix, c'est une institution mondiale fondée depuis 1970, mais dans le monde entier. Et nous même dans la région Amérique latine et Caraïbes. Bureau qui occupe des régions, li et OPO, la capitale là, Lima, le secrétaire général régional. Et tout côté qui a un chapitre religion pour la paix dans chaque nation, dans la région, pour tout l'autre côté, il y a un secrétaire général qui occupe de organiser, coordonner et en fait, et, disons, qui top et activité exécutive et plateforme, non, l'IML est encadré par des vice-présidents, par des membres. C'est le cas pour nous en Haïti. L'année 2019, là, c'est une année, on a dit, qui a une particularité pour la religion pour la paix mondiale. Parce que la 9e Assemblée mondiale de religion pour la paix était faite à Vienne, en Autriche, en 2013. Nous-mêmes, nous étions fondés 3 ans avant. C'est là que nous-mêmes participé à la première Assemblée générale. Nous. Et maintenant, nous, après, dans 2019, là, c'est pas la 10e Assemblée mondiale là, qui va le faire en Allemagne, à Lendo. Et l'Assemblée mondiale l'a fait toute année, c'est une année qui a un paquet de consultations, un paquet d'assemblées. Et il y a plus de 800 leaders religieux qui ont participé à l'Assemblée mondiale. Il y a des centaines qui veulent participer à nos consultations régionales.
Et nous-mêmes en Haïti, nous avons déjà fait consultation nationale par nous. Nous avons fait le 16 mai et dans le restaurant La Réserve et Pétionville. Le secrétaire général régional a été entré pour venir porter et contribution par l'organisation consultation nationale religion pour la paix. Et autour des 20 leaders religieux, nous leaders de différentes confessions, nous sommes là, et nous avons fait consultation. Ça. Maintenant, nous avons préparé pour nous participer. Abgayon ou bien deux délégués de la plateforme en Haïti qui pourraient participer dans la consultation régionale. Les leaders religieux de l'Amérique latine et des Caraïbes, ils pourraient réunir et Lima au Pérou entre 25, 24 et 26 juin. Puis ils capables de réfléchir toujours sur le même thème qui pourrait faire objet de l'Assemblée en attendant que le mois d'août arrive pour que nous allons participer à l'Assemblée mondiale. Là. Mm-hmm. Et thème qu'a traité, au thème n'a traité, n'a soutenu en Haïti, en ça, c'est même thème qu'a traité dans le monde entier, parce que c'est des défis qu'on joue dans le monde entier. Mais ça fait différence entre un pays avec un autre. Un pays qui gagne une société, qui est le secteur religieux, le secteur société civile, différentes organisations, ils sont tellement engagés, puis ils ont fait maintenance dans la vie sociétale là, qui a un niveau de propriété morale et éthique qui fait société à fonctionner. Mais dans quelques pays, ça qui fait n'est pas suffisant. C'est qu'à nous en Haïti, ça que différentes organisations dans la société civile en Haïti a fait là, n'est pas suffisant pour contrer le niveau de dérive qui a crasé la société. Donc, c'est ça qui fait que Religion pour la paix, et bien, on a pris dans notre là, on a encouragé pour nous faire plus, pour nous voir si nous sommes capables de construire la paix. Positif. Nous allons revenir dans ça et vous dites un thème n'a pas traité pour l'Assemblée générale. L'Assemblée mondiale là, c'est thème global là, c'est prendre soin de notre avenir commun. Et là, il y a plusieurs commissions qui parlent travail sous différents aspects. Par des commissions qui doivent travailler sous transformation des conflits violents, des commissions qui parlent travail sous développement intégral. Et là, il va l'appuyer sur les objectifs et que Nations Unies et by tête ODD on va travailler sur en pile, on va regarder et qui côté que progrès qui fait, qui côté que ça va avancer. Et ça veut dire nous-mêmes tout en Haïti dans la religion pour la paix, nous garder nous en Haïti par rapport à ODD. Question de transformation des conflits, culture de paix, culture de tolérance, etc. Aspect ça pour le traiter. Mais il y a l'autre qui parle parler aussi de questions et la planète Terre, de que comment nous occuper la planète là et comment nous vivre avec lui. Ça veut dire question et climat et pour le poser et question exploitation, question inégalité sociale, pour le, plusieurs thèmes qui traitent sur aspect ça. Nous mêmes en Haïti, nous dans consultation qui nous fait, nous avons passé sur tout thème yo, mais il y a un thème que nous choisi particulièrement pour travailler sur lui, c'est la paix positive. À partir du thème ça, on a essayé de faire avancer le bien-être partagé. Parce que ce n'est pas que la planète, ce n'est pas parce que le monde n'a pas suffisamment de ressources pour tout le monde bien, mais c'est parce que gens, organisation, orientation, ressources, au fait là, eh bien, les faciliter que y ait un petit groupe de monde qui simplement gaspille richesse parce qu'il n'y a pas besoin de toute richesse qu'il y a de manipuler, et puis il y a une grosse masse de monde qui vit dans une pauvreté criante. Et il y a un exemple que nous avons évoqué là. Non, exemple, selon ça, ils ont montré dans la recherche, plusieurs experts qui travaillent sur lui. Sous planète aujourd'hui, sous prend 2 milliards 800 millions de monde parmi les gens qui ne paient pas l'argent, leur mettre ça ensemble, il y a 26 personnes qui gagnent plus. Seulement. Il y a 26 personnes dans le monde qui possède des richesses que 2 milliards 800 millions de monde. Alors ça montre comment déséquilibre est et il réellement mette le monde en danger. Exactement. Il réellement mette le monde en danger et qui côté conscience là apprend pour dire nous ne pouvons pas quitter le monde fonctionner comme ça. Quand on a nous vient la caille nous, l'organe Haïti, regardez qui quantité de monde en Haïti qui n'est pas capable manger même 10% de ça yo te doué manger ça yo les rations alimentaires journalières. Regardez qui pourcentage moun en Haïti qui pas même quand 10 à 15% de rations ça grand goût à priver population. Donc
nous gardons pour construire la paix de manière positive, positive par rapport à une paix de cimetière et son paix factice. Nous gardons un monde pendant la route qui a manifesté, qui a protesté. Ce n'est pas parce qu'ils ont en paix, c'est parce qu'ils ont peur. C'est la crainte, c'est la peur, c'est pas la paix, c'est la crainte, c'est frustration, c'est brimade. C'est ça, ça, c'est pas la paix. Et c'est pas la paix positive. Parfait. Maintenant, la religion pour la paix Haïti, généralement, nous rencontrons chaque qui l'a rencontré sans discuter. Et nous, en principe, tu as dû rencontrer, et régulièrement, nous avons dû rencontrer chaque 2 mois, au minimum. C'est ça, nous avons tête, non. Mais, nous rencontrons beaucoup plus. Et en plus de ça, nous parlons en pile dans le téléphone. Parce que religion pour la paix, chaque monde occupé. Chaque monde occupé, chaque monde travaille par eux. Moi-même, je travaille pour 3 institutions. Yon là dans yo c'est travail moi-même côté mon travail pour payer pour vivre, l'autre de yo c'est bénévole. Et tous les 3 consomment en pile temps. En plus de ça, c'est pasteur itinérant. C'est presque chaque dimanche, je gagne un prédication, je gagne un message dans l'église différente. Donc, il faut me préparer, il faut me gagner temps pour famille. Donc, et chaque monde, c'est réalité. Et religion pour la paix est très limitée en termes de ressources, en termes de salle café et ressources de tout niveau. Qu'est-ce qui finance nous? Personne, c'est nous-mêmes qui finance tête nous, dans religion le sens que si nous faisons réunion. Non. Religion pour la paix mondiale, bon, c'est ça qui arrive que ils supportent nous, par exemple, pour nous aller dans l'Assemblée et consultation régionale, l'Assemblée mondiale, là, ils supportent billets pour nous. Et, mais nous ne pouvons pas recevoir financement de personne. Mais religion pour la paix fait activité. Et institution protestante qui me représente dans religion pour la paix, c'est la mission sociale des ex-haïtiennes, MICE. Et religion pour la paix avec MICE fait beaucoup d'activités. Et ensemble, mais c'est MICE qui recevra financement, ce n'est pas religion pour la paix. Dernière fois, on était de religion pour la paix cité, et pasteur Joseph, c'était le parlement national qui demandé nous, bon office nous, pour nous faire dialogue, pour nous faciliter le dialogue là. Bon, après ça, nous avons répondu, nous dit nous pas intéressés, et depuis là, ça ne pas attendre religion pour la paix. Trop dans ce scène politique. Justement, je ne parle pas d'instance politique. Parce que là, nous venons là. C'est un problème qui vient de faire nous venir là. C'est pas travail pas nous. Mm. Et, mais pourtant, religion pour la paix fait un peu l'activité. Religion pour la paix, c'est organisé et tout dernièrement là, ils ont activité sur le droit des femmes. Et c'est publié dans le journal. Et religion pour la paix, puis l'activité. Nous travaillons, ça nous dit là, nous travaillons dans le développement intégral, nous travaillons dans la question de la justice sociale. Et nous travaillons dans l'aspect ça. Religion pour la paix, toujours, il y a un travail que les a fait. Tant que nous faisons consultation nationale là, mais nous ne pas inviter la presse, nous ne pouvons pas faire bruit avec ça. Il y a un bagage tout, religion pour la paix, pas trop intéressé, nous faisons publicité, fait tout le monde connaître, parce que nous ne pouvons pas chercher dans l'opinion publique là, vraiment. Nous surtout, à chercher à rendre un service et pour nous rendre dans l'humilité. Remarquez que nous pas parler souvent, mais le noté président est invité nous hein, et c'est pas nous même religion pour la paix qui te mettez ça dans la presse. Si c'est religion pour la paix, personne ne même connaît ça. T'a intéressé donc que si nous te faciliter une discussion entre pouvoir et que vous jouez une solution et puis solution à servir toute population, mais il n'est pas nécessaire pour vous dire nous parce que nous pas chercher un brevet de quoi que ce soit. Parce que certaines fois nous peur par rapport avec ça qui t'est passé sur le dossier passeport, il y a qui te croit que c'est d'aller demain sauver d'aller sauver et président Martelly dans période là fait que nous très pétard, nous pas voulu rentrer contre la politique municipale encore, non? Nous pas peur, parce que là nous avons fait ça, nous avons quoi que nous avons fait un bon bagage, nous avons juste rendu service, et je dis encore, nous quoi ça nous avons fait à bien. Et nous avons simplement aidé un passeport sorti par le national, par le législatif et faire le tourner. Maintenant, qui ça a fait avec le passeport? Il y a une commission parlementaire qui a fait une investigation, c'est eux-mêmes qui ont fait une investigation pour la population haïtienne en rapport sur l'activité que vous avez fait. Et étant donné que, à ma connaissance, je ne connais qui ont été publié un rapport qui te dit quoi que ce soit. Maintenant, la population et attention au sorti, ils viennent sous nous parce que les gens pensaient que si passeport n'a pas de bail, le président Matéli est tombé et les gens qui étaient sautés qu'il tombe dit ah, nous-mêmes, nous t'empêchons de tomber. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de gagner conscience que c'est dans le faire. Une autre chose qui était encore portée, attirer attention aux gens qui te dit bah, ça est un petit peu suspect, c'est toute grosse cérémonie que vous connaissez qui était faite dans le palais national, etc. Mais nous disons ça plusieurs fois dans la presse, nous-mêmes,
nous seulement connaît notre cherche un passeport. Le président dit nous pour le nous devant la presse, c'est lorsque nous entrons dans la salle là, c'est là ça nous te monde. Nous pas jamais au courant de ça. Mais ça t'intéresse nous, nous te dit n'a pas passeport pour le parlement, et ben nous fait ça nous t'a faire, nous prendre nous porter l'aller, nous prendre nous retourner, reste là dans mer. Et mais quand même nous prend leçon. C'est pas que nous peur mais nous tire leçon de ça qui passé là. Ça fait que nous plus pour en Haïti pour nous dire que en Haïti lorsque on prend un service et faut faire attention pour que propre service qu'on prend de bonne foi pas tourner contre etc. Mais nous pas senti nous déranger parce que nous pas t'ap chercher vote nous pas candidat. Vous comprenez? Parce que pas une question de rendre service par chagrin. Justement nous intelligent et comme tant de et mon yo dit ça faut faire attention là prendre service parce que mon n'a capable gagner des intentions que ou même pas connaît mais et peut-être nous te prendre un petit peu dans naïveté nous aussi nous pas mais qu'on y a nous un petit peu plus prudent nous et puis tout nous grandit tout songer dans période ça nous te peut-être c'était 2011 m'a songer et de fait nous te fait fête nous beaucoup connaît vraiment qui ça religion pour la paix c'est si vrai que nous et moi même m'étais vice coordonnateur monseigneur Dumas un coordonnateur nous beaucoup fin connait nous à peine fondé c'est lorsque l'assemblée générale à Vienne c'est une structure religion pour la paix, nous connaissons que faut qu'on conseil secrétaire général, etc. Mais comment pour nous faire? Et puis nous apprendre aussi, nous allons participer dans la formation des secrétaires généraux, nous avons rencontré à Sarajevo, côté de plusieurs secrétaires généraux, nous avons rencontré de plusieurs pays, nous apprenons dans le meilleur échange et son village global, moyen de communication permettent que nous apprenions. Mm-hmm. Et maintenant, si nous recevons une sollicitation, et bien nous gagnons de cadres, de référentiels qui permettent nous faire une analyse des espèces là pour nous voir si nous sommes capables de la donner ou pas. Pour qui ça nous fait notre sorti dans moment ça. Dans moment ça, c'est parce que tant qu'on nous dit dans notre là, inquiétude nous augmenter. Et parce que nous en contact avec pile monde. En pile monde, gemon nous critique vis-à-vis des religions pour la paix parce que vous pensez que peut-être religion pour la paix joue un rôle en côté qui fait que on monde pas chuter et que était souhaiter monde en chuter, c'est peut-être ça que monde capable gagner comme religion pour la paix, mais même lui même c'est dans position, il t'a bien content que c'est lui pour gagner. Donc nous en contact avec pile monde. Faut nous honnête pour nous dire que plusieurs secteurs politiques t'a bien aimé gagner nous dans accompagnement, mais c'est chaque fois pour nous expliquer que nous sommes des religieux, nous pas là-dedans. Mais ça permet que nous parler avec différents mondes. C'est parce qu'on carrefour côté un pied, nous parler. Ça capable rendre aider nous tirer conclusion sur l'état, disons, de mentalités, c'est-à-dire sur l'ambiance psychologique de la population haïtienne. Et étant donné que c'est un peuple et une population dans sa grande majorité qui n'ont pas respecté la dignité. Et on connaît dignité par une classe sociale, par une couleur, par une race. C'est un bagage humain, ça fait partie de l'essence humaine. Là où on veut vivre dans des conditions humiliantes, il n'est pas capable de manger, il n'est pas capable de boire, il n'est pas capable d'espoir de sortir, il n'est pas capable d'issue. Là où on a vu avec une colère. Donc, il y a tellement traité la population haïtienne mal. On a parlé de monde qui ont le leadership pays, pas seulement leadership politique, mais leadership économique, social et même leadership religieux. Nous avons un manque de respect pour la dignité de la population. Eh bien, il y a une quantité qui résigne, mais une quantité qui est très énervée. À ce moment-là, nous dit nous très préoccupés par la façon que vous traitez la population durant de longues années. C'est ça, nous relevons de ces situations délétères. Mais avec plusieurs bagailles qui développent ces délétères, puisque ce sont des bagailles qui s'est aggravé, là, pas aggravé, donc et c'est de manière cumulative. Donc, si je prends un premier coup, il fait mal, je prends un deuxième coup, je vais sentir douleur deux coups, et ainsi de suite. Dernier moment, yo, nous réellement inquiétés, nous craignons que le pays n'a pas fait face à une explosion sociale, une déflagration sociale. Et c'est pour raison ça qui fait que nous lançons alerte. Nous lançons alerte parce que nous estimons que au niveau de la classe politique, au niveau de ceux qui font de la politique, n'a pas parlé de ni monde qui est au pouvoir, ni monde qui a cherché à entrer dans le pouvoir. N'a pas parlé ni pouvoir ni opposition. D'ensemble de tout le monde qui a fait politique dans le pays, nous pensons que n'y a pas arrivé à engager le pays vraiment dans une route de développement durable. Et moi, incapacité en pile politique, c'est qu'il y a parce que nous avons dit que nous sommes incapables. Nous pas voulu dire parce que quand on ne peut pas fait, c'est des possibilités. C'est ou bien monde qui l'a pour faire, il a pas voulu faire. Ou bien yo pas ka fèl. Bon nous même contact nous gagnons avec différents monde qui fait politique yo, ça a exprimé à son volonté. Yo dit que yo voulez surtout ça qui dans l'opposition qui a cherché pouvoir, yo dit que yo voulez. Mais monde qui dans pouvoir aussi qui parle avec nous, yo j'ai parlé avec nous, entendez que yo voulez. Ça fait nous conclure que yo voulez. Maintenant si yo voulez et puis ça pas fait, eh bien c'est pour nous estimer que quantité ça yo déployé comme effort, il pas suffisant. Puisque il pas suffisant, donc gagnons manque de
capacité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas fait effort, mais nous-mêmes, nous avons compté résultats. Résultats, pas là. Ou alors, dans le match, ou jouer, ou perdre 3-4-0, ce n'est pas nécessaire qu'on parle en pile pour faire belle passe, ou te dribbler, ou te faire. Résultat final, c'est que ou pas gagné un match là, et bien, tu as une capacité qui manque. C'est ça, nous éviter de comprendre, parce que les gens peuvent avoir beaucoup de respect pour tout le monde, nous pas gagné intention et stigmatiser négativement. Mais si nous avons dans notre là, nous esquivons la classe politique là, nous retirons la classe politique dans le vote là. Non, nous pas retirer dans le vote là. Nous constater que ça y fait pas suffisant. Et puisque ça y fait pas suffisant, eh bien, nous interpeller la société civile. Peut-être que l'effort que différentes organisations de la société civile qui mobilisent ou qui définissent qui ça y a même y a voulu faire pour le pays, capable de venir complémentaire, ajouter sous effort qui fait dans la classe politique là. Parce que quelque part, l'impression qu'on a sur le plan politique, ou a semblé qu'on manque d'imagination, qu'on a manque de capacité d'innover, de changer les contenus, de changer les méthodes et même changer les timings. Parce que il y a des bagailles que quand on fait, il y a un spécialiste de l'éducation qui est Albert Bandura qui parlait, qui développait une théorie, ça y aurait l'éducation par essai erreur. Dans un labyrinthe qu'on mettait des rats pour sortir dans le labyrinthe là, et bien groupe rat cap sortir plus vite dans le labyrinthe là, c'est ça qui l'est entré dans un couloir qui aboutit à un kilo de sac, c'est pas tout là ça. C'est ça qui apprend à éliminer couloir ça et essayer un couloir que on pas essayé déjà. Et rat cap sortir plus tard dans la labyrinthe là ou même mourir dans la labyrinthe là si la labyrinthe là vient chauffer, c'est rat cap reproduit même comportement et on est que on t'engage déjà. Maintenant si on analyse comportement de nos politiques qui j'ai fait, il y a des bagages qui fait qui pas bas résultat, il aurait fait encore. À ce moment-là, nous dit là, il y a un manque d'imagination. Par contre, si au niveau maintenant de la société civile, eh bien, leurs organisations, ils ont mobilisé, ils ont rencontré et ils ont défini qui ça qui doit être fait pour Haïti. Parce que la méthode qui gênait le pays, nous passons pile temps à discuter de qui est-ce qu'a fait. Or, à partir des questions qui est-ce qu'a fait là, ou vient une question qui est-ce qu'a au pouvoir pour le faire. Et une bataille pour pouvoir, parce que le pouvoir confère des privilèges. Et c'est ça qui kembe nous là, qui fait la bataille dans le couloir, nous pas capable de sortir. Maintenant, si nous changeons de méthode, nous dit qui ça n'a pas fait. Maintenant, si nous définissons qui ça n'a pas fait, une fois nous finissons de dessiner qui ça n'a pas fait déjà, ça n'a pas fait à même à inspirer nous de qui profil monde qui pourra le faire, ça nous le fait. Mais un peu le monde a dit tout, si peut-être classe politique arrive et ça comme résultat, c'est parce que société civile là tout, il y a un rôle que tu dois jouer, un rôle de vigilie, que le pas fait. Mais alors, si nous esquivons classe politique là, si nous montrons qu'on n'est pas capable, est-ce que société civile là tout, dans l'odeur de sainteté, je dis à tout. Bon, nous pas l'essayer, ouais. Parce que c'est pour qu'on ait quelque chose pas bon résultat, il faut qu'on essaye. Et nous pensons que société civile là, c'est pas qu'elle va faire effort. Il y a un pile monde qui fait effort, mais effort aussi pas suffisant. Société civile là, fait pour renforcer tête. Et je prends un exemple concret et dans un thème qui est un petit peu générateur de beaucoup d'intérêt, c'est l'économie. Comment pour ressources économiques haïtio gérées en Haïti pour le bénéfice, pour au bénéfice de tout le monde, chacun selon ça que yo capable joindre selon profil yo. M'pa quoi dans question diamètre égal là, même quoi que la liberté, la justice, l'équité, c'est le droit pour chacun de vivre selon son diamètre. C'est possible que ou même ou en position d'avoir 10, mais moi-même ou pas qu'à mettre en position pour m'pa gagner. Même deux, même trois, bon minimum pour tout le monde joindre dans la société. Si vous avez besoin de faire ça, qui est-ce qui doit définir ça? Nous prenons une méthode, choisir des gens qui mettent au pouvoir, les gens qui choisissent un ministre de l'économie, et c'est eux-mêmes qui disent nous comment pour nous faire. Bon, nous ne disons pas que ça n'est pas bon du tout, mais nous clair qu'en Haïti, la méthode choisir les gens qui pourraient le faire, les arriver à faire ça pour faire, la méthode ça pas marché, parce que dans un premier temps, nous prenons les gens presque comme bon Dieu, ils pourraient faire toute bagaille, et puis ça ne prend pas le temps pour nous même les gens comme diable parce qu'ils ne peuvent pas faire. Et nous avons pile le monde qui diabolise en Haïti, qui allait. Mais c'est le mode d'organisation politique là même qui va avoir résultat parce que tout le monde ça pas capable pas bon faut tomber sur un monde qui est bon. Eh bien si nous changeons, nous dit un nom aller de préférence au niveau de la société civile, les organisations, chaque là de dans ça qui concerne eux qui gagne capacité qui gagne nous dit qui gagne autorité, capacité, compétence. En économie, nous dit si
les institutions qui ont compétences, qui ont ressources humaines qualifiées et qui ont autorité en matière de gestion des finances et de l'économie en Haïti, ils ont même rassemblé, ils ont défini une politique de gestion des richesses économiques et financières en Haïti. Et que ça, un plaidoyer qui fait pour l'accepter par l'ensemble de la société, à ce moment-là, nous gagnons un chapitre de notre projet de société qui c'est économie et finance qui définit. L'elfin définit la société acceptée, les gens sont capables de dire qui profil monde qui pourra diriger la finance pays. Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Et je ne pas fini de comprendre la question. Est-ce qu'on peut faire neuf avec vieux? Parce que le monde est là déjà. Si on a essayé de faire une note par rapport à ce que ça nous dit, il est responsable tout. D'accord, il est responsable. Pour tes participations dans un pays, il y a un côté lié à tout. Évidemment. Nous sommes capables de retirer non, et l'échec que nous connaissons là, je veux dire. Mon cher, souvent, où est-ce que vous venez dans un bal, vous dansez autant de musique là, comme je si vous changez de musique, vous changez ton, hein, ou dit non, parce qu'il faut que nous voulons pour nous arrêter, nous dit non, tu as fait comme ça, mais qui côté le mener nous, dans un premier temps, nous campons, nous pas fait comme ça encore, et maintenant, mais comment on a fait. Vous pensez que vous dansez tout. Comment si vous arrivez dans le bal, danser tout. Si vous ou musique pas bon, vous dansez tout. Oui, ou ka, oui justement, ou ka, justement, il y a une façon que vous capable protester contre les gens dans la fête, vous capable danser. Exactement. Mais c'est faut pas arrêter de pas danser actuellement. Parce que finalement, c'est une passivité qui va produire rien. Faut qu'on arrive là qui dit, bon, moi-même, après marquer que je ne pas danser, je ne pas danser parce que je ne pas d'accord, je n'ai pas danser. Voilà. Parce que on a gardé le résultat dans ça. Tu vois, je ne pas d'accord, et puis c'est le bal à passer mal à son petit école, il est très dangereux. Non, non, c'est pas comme ça. Nous-mêmes, je nous propose. Nous dit Mounio, mobiliser pour nous définir quelque chose à offrir et que tout ensemble qu'a fait un projet de société. Et c'est ça nous dit là. Nous sommes identifiés par exemple secteur économique. Eh bien, on prend un cas spécifique. Gain de côté dans politique là qu'il décide, gain des décisions qui fait en matière d'économie et de finances qui a appliqué tout le monde payer conséquences là. Mais c'est peut-être ces gens qui ont pouvoir seulement faire décision. Mais si tu as quelque chose de défini, lors les gens ont fait décision, ou capable de critiquer la décision selon le référentiel qui est défini déjà. Mais si tu pas défini rien, ou la gueule pour faire décision selon le sentiment, eh bien, ou même encore ou contribuer à faire les gens ont fait échec, puisque vous soumettez à la tentation. Et c'est ça qui n'a pas tiré attention sur la société haïtienne. Là, nous parlons d'économie, mais elle était capable non on l'autre côté. Et dans la question politique de communication et comment la question communication doit gérer dans le pays, qui loi qui pour prendre et comment pour ça gérer politiquement, comment pour pouvoir, monde qui a une force exécutoire et porter contribution dans une meilleure gestion de la communication, eh bien, ce n'est pas bon pour nous quitter ça. Il y a un président Phil Motel, le premier ministre, par le ministre de communication, c'est comme ça à faire, mais l'état plus bon que ANMH, AMI, et eux-mêmes, avec l'autre organisation qui l'association journaliste, AGH, ils sont ensemble, ils disent nous-mêmes, en Haïti, mais comment nous croyons que la question de communication doit être traitée dans le pays. Vous avez parlé de questions pour la société depuis 25 ans, comme le président Préval, pendant le mandat, il a parlé de ça, le président Matéli était enchaîné, même sous l'administration Jovenel Moïse, il parle en plus de ça, mais nous ne pouvons pas arriver. Mais on a même méthode. Ça que nous voulons, la même méthode là, c'est le monde qui finit au pouvoir, au commander pour faire le pouvoir. Si j'ai besoin de faire quelque chose, c'est une forme définie qui ça me va le faire avant. Si je voulais faire yon cabane, yon structure pour mettre box point pour mettre matelas moins et me faire encadrement comme ça, premièrement, faut me connaître ça me voulais faire. L'aime fin comme ça me voulais faire, c'est ça qui va le permettre de décider qui profil qui vous faire. Là ça me va le dire, me va choisir soit yon ébéniste si me voulais faire en bois, m'a choisi yon ferronnier si me voulais faire en fer. Mais tout ça partie de qui ça me voulais faire. Alors, problème nous en Haïti, nous amusons nous à choisir les gens, nous faisons choisir les gens, nous voyons les gens, fait et jour, choisir les gens, nous fêter, les discours, etc. C'est bon Dieu qui arrive. Sans et puis après, sans faire de route. Après un petit temps, même les gens côté les anges, là, ou venir le diable. Or, les gens pas ni anges, ni diable. Les gens, c'est les gens. Ou qu'a fait erreur, il faut qu'on mette les gens dans un cadre de fonctionnement qui permet de réussir. Et il faut encore, en dedans, sur des civils là même, pas de gens cap induit les gens en erreur. Parce que vous avez intérêt dans les gens. Là, si chaque institution dans la société civile définit quelque chose, à ce moment-là, gagner quelque part, yon côté vous mettez en commun, vous doit dire, mais ça nous voulait faire. Mais si ça n'a pas fait, hein, si la société n'a pas engagé, eh bien, c'est difficile. Concrètement, qu'est-ce que ça nous va faire?
Concrètement, qui ça nous prend le faire, je veux dire, au niveau religion pour la paix, pour nous arriver à joindre l'opinion, la position, ensemble d'organisation dans la société civile, je nous dis dans notre là. C'est pas, premièrement, nous lancer dans la presse, en pile monde, au courant. Que nous dit clairement que société civile là doit mobiliser. Non pas écrit mobiliser davantage, mais nous devons dire mobiliser davantage parce que il y a des monde dans la société civile là, il y a des organisations dans la société civile là qui fait beaucoup d'efforts, même pour faire élection parce que c'est mieux en Haïti. Mais ces efforts ça n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait plus d'organisations qui gagnent des gens qui dépensent. Société civile, c'est une organisation. Et il y a des gens qui disent société civile, c'est ISC, c'est l'initiative de la société civile. Moi, j'aime tant de ça, comme ça me dit, il y a un haïtien qui a tendance à relayer tout réfrigérateur, qui a tendance à relayer le frigidaire. Un pile haïtien qui a tendance à relayer tout pâte dentifrice Colgate. Eh bien, qui côté ça sorti, c'est parce que c'est peut-être c'était Marc Sayo qui a commencé. Eh bien, et ISC, initiative de la société civile, c'est une institution vraiment qui a poussé la question des responsabilités de la société civile. Je ne parle pas de lui-même qui est première, je ne parle pas d'information de façon précise, mais c'est possible qu'il soit une première. Et ça fait mon nouvel comme ça. Mais non, société civile, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est-à-dire l'organisation de la société civile qui doit engager pour la question de gestion des finances, eh bien, nous sommes cités quelques là-dedans et quelques encore. Mais si on a traité la question de justice en Haïti, eh bien, c'est évident que vous avez des organisations telles que BAO et de Port-au-Prince, telles que Association des magistrats, toutes institutions sérieuses qui ont des ressources avec compétences, qui font des études dans le domaine, qui sont capables ensemble pour travailler dans le domaine. Ça. C'est la même chose pour la santé. Comment nos pays, qu'on gouvernement avec le ministre de la Santé et qui pague en rien que des institutions telles que l'Association médicale haïtienne et d'autres institutions de santé qui ont même été posées et quand même ils ont cadre de route, ils ont bâillé un référentiel qui dit et si eux même ils définissent, ce n'est pas pour eux la pied, la pour ils ont bien de l'ensemble de la société parce que nous connaissons les ressources, ils ont défini en politique de santé. Nous disons que nous allons rencontrer les acteurs de la société civile pour nous chercher à joindre différentes propositions et puis coordonner. Mise en commun vers une position représentative des forces vives du pays. Qui l'a commencé, c'est qui sa méthode là? Nous commençons déjà. Méthode là, c'est que nous sommes les responsables de certaines organisations, nous rencontrons ça que nous avons rencontré et nous faisons même sensibilisation ça et motivation ça. Et organisations qui nous rencontrent déjà ont dit ok, ils ont pas réuni entre eux, ils ont pas fait quelque chose. Mais nous pas simplement bail comme ça, nous baillons un référentiel qui est la paix positive juste sur 8 piliers. Et moi j'ai utilisé un aide mémoire et un pilier c'est un gouvernement qui fonctionnait bien. Ça c'est classe politique là qui pour travail pour que le bon gouvernement qui fonctionne bien dans le pays. Et un environnement commercial solide, honnête. Pour tout connaît que c'est monde qui fait ce secteur des affaires qui pour travailler sur question environnement des affaires. Là il défini, nous pas peut défini là dans l'émission. Et puis gagnons le troisième, c'est répartition équitable des ressources. Les organisations sociales, les organisations des droits. Ah oui, les organisations sociales, les organisations des droits humains. Il y a trop de disparité dans la société. Justement, on se fait comme ça pas qu'à vivre. Haïti pas qu'à continuer à vivre comme ça. Donc il faudra que des organisations des droits humains, des organisations sociales, eh bien eux même au travail pour question répartition équitable, acceptation des droits d'autrui, eh bien droit dans tout sens. Et ma prend une qui la carrément le droit de croire, le droit quitter un monde quoi ça veut dire quoi. Et il y a une façon pour par exemple pour encourager moun venir dans l'église et nous témoigner pour Christ. Mais on pas capable de diaboliser telle religion pour dire cette religion pas qui puis bon. Faut accepter droit moun dans différentes questions. Haïti qui des structures même des violations des droits. Et ma pour exemple concret. Ou en Haïti gon loi dans pays là. Loi dit ou pas ka exécuter un jugement contre l'État. C'est une loi qui pi toxique pays d'Haïti capable gagner. Et un pays comme ça qui gagne loi ça ou pas ka vivre ou pas ka fonctionner parce que utilisation de loi ça par moun qui gagne pouvoir dans mais c'est des bagages terribles. Ça ça ka fait ou fait payer avec investissement parce que n'importe ou ka venir là acheter un terrain. D'accord? Et pour ou acheter ou selon ça la loi dit, pour une raison ou on l'autre, yon nom bay tête li tit pour voir l'État, et puis là le prendre rien, soit pour les affaires ou pour faire l'autre bagaille. Et puis, même si la justice font décision,
ou pas exécuter des décisions parce qu'on ne peut pas décider contre l'État et puis mon endroit, c'est lui-même qui est l'État. Alors, un pays qui a ça, donc son pays qui bloque tête, il n'est pas capable de faire one point. C'est une question d'investissement. Justement, on l'autre bagarre encore qui est dans le pays, qui tue le pays. C'est une question d'immunité. Immunité, ça veut dire que il y a une impunité. Ou mettez mon dans la condition que la loi pas atteindre, la justice pas atteindre. Et puis, ou, conflit d'intérêts. Donc, si par exemple son parlementaire qui a immunité, qui est-ce qui pourrait tirer immunité parlementaire? C'est le Parlement encore. Ou pas de blague. Comment que un parlementaire pourrait retirer l'immunité collègue, demain matin, il y a un problème, il pourrait retirer l'immunité, tout. Ça veut dire que vous n'avez pas joué le monde avec couverture parlementaire capable de faire ça. Vle. Ça veut dire que l'air parler de questions acceptées droit monde pour la justice fonctionner, non seulement l'organisation sociale, mais aussi les organisations de droit. Et les gens qui ont fait droit dans le pays, les gens qui ont fait la justice dans le pays, il faut que vous même vous travaillez sur la question ça pour vous changer. Ensuite, il y a une bonne relation avec les voisins. Ouais, ça montre que une bonne relation avec les pays voisins, il y a une bonne incidence sur une bonne relation entre les groupes internes. Les groupes internes, il faut que vous arrangez et que vous ayez une bonne relation entre eux. Bonne relation entre des institutions religieuses et d'autres institutions parce que quelque part nous rencontrer. Mais l'autre institution aussi, il y a une attitude de diabolisation de l'autre en Haïti qui est extrêmement grave. Nous-mêmes dans la religion pour la paix, si nous sommes de là, c'est qu'on a valé étiquette et malveillante que nous mettons sous dos, c'est des bagages qui durent. Alors ça, ce n'est pas un courage pour rendre au service ou pas capable. Vous imaginez que depuis 9 ans, je travaille pour la religion pour la paix, c'est de manière bénévole. Et vous connaissez, pour faire bénévole, là, il faut vous payer. Parce que tout a un coût, n'est-ce pas? Pour me venir, pour me relo dans le téléphone, pour me parler dans le téléphone, eh bien, ça a un coût. Ce n'est pas gratis. Eh bien, moi-même, moi, acheter 4 là. Si je n'ai pas personne qui te paye pour moi, moi-même, moi paye. Je dis on bagaille là dans l'émission qui apparaît ton blague, mais parfois tout faut qu'on entende un petit blague de ça. Ou qu'on est qui est, c'est l'État haïtien qui montre voyez, appelle-moi. Bon, on a oublié parce que c'est une seule fois que je fais ça. Je ne sais pas si vous avez bon, mon cher, on était dans la crise, question en 2012. Il a cherché à concilier le problème qui est entre l'exécutif là avec le Parlement sous choix trois personnes qui devaient représenter, et trois représentants, pas sur qui secteur. Bon, trois représentants qui devaient représenter CSPJ. Dans le CEP? Et oui, dans le conseil permanent que vous avez essayé de faire à ce moment-là. Eh bien, c'est vous-même qui êtes responsable pour faire et tout contact. Où qu'on est, vous avez gagné, disons, et autour de 500 gouttes et 4 sous téléphone. Sous téléphone, moi. Où qu'on est, moi, relé président CSPJ à l'époque pour me parler avec elle juste pour dire est-ce que. La vie ni dans une réunion qu'on a fait dans le ministère de planification pour discuter de questions. Juste pour dire, ou pas qu'on est tellement chaque samedi, il y a une réponse qui n'est pas suffisante. Il y a une réponse, oui, mais la réponse n'est pas suffisante. Parce que moi-même, il faut qu'on gagne même pour mal bailler l'autre collègue, mon rapport. Maintenant, je m'a insisté, et puis, tout quatre la fini. On a à peine mettre 500 gouttes. On a toutes quatre la fini et côté bureau mier, secrétaire bureau qui t'a fermé, secrétaire allé tout le monde qui t'a allé, qu'on y a là et côté mier c'est pas côté m'a joindre 4 et acheter. Et puis qu'on y a un besoin continuer conversation pour me dire et pour me joindre ça me besoin. C'est ça. Et puis qu'on y a là mon monde qui a passé, me dit comment vous voyez appelle-moi. Il dit me fait ça, me voyez appelle-moi ba un ami, lui relé, moi dit mettez 4 sur téléphone moi à distance. C'est-à-dire rendre service dans ce pays, c'est difficile. Ou à dépenser propres ressources pas pour faire un bénévolat, mais ou pas une récompense psychologique. C'est pas facile, c'est vous comprenez ça. Vous tellement pas comprendre, une récompense psychologique là, c'est pas une récompense, c'est une sanction psychologique qui est stigmatisée. Maintenant, là, le climat est difficile. Et parce que le climat, Joseph, je veux dire, il y a un durcissement. Ouais, un certain énervement même, un certain énervement, un certain, pas même certain, non, une frustration certaine, je veux dire, dans le pays. Et la réalité est très difficile, on regarde les dollars qui ont augmenté, l'inflation est 17%, et la quantité de monde qui ne peut pas travailler, il n'y a plus, même les gens qui travaillent, ça a touché, à ne peut pas répondre à l'obligation. Vraiment, ce tableau est assez sombre. Je veux dire, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'il y a comme stratégie pour nous arriver effectivement à faire groupe, et qui n'a pas forcément le même intérêt, même dans la société civile là.
suite à son table, dégager projet société ça pour permettre que le problème soit capable d'adresser pour ne pas vivre même situation dans l'année qui vient. Sa bon, stratégie. Bon, le fait que nous-mêmes, nous pas des acteurs économiques, des business, qui ont intérêt à défendre des intérêts politiques, ça permet que nous pas aussi émotionnellement engagés dans tension en tant que l'autre monde. Ça permet de nous prendre distance pour nous un petit peu recueillir nous et ouais question de manière un petit peu plus indépendante pour attirer l'attention. Et c'est ça nous fait là. Nous attirer l'attention, nous alerter. C'est nous faire sensibilisation. Nous faire sensibilisation sur le plan global parce que nous voyons notre, nous venons dans l'émission ça là, nous expliquer lui, mais aussi gain là-dedans que nous allons rencontrer. Nous avons rencontré déjà un secteur que nous parlons avec eux. Mais c'est que rencontré. Nous rencontrer forum économique là par exemple. Okay. Nous attirer attention sur ça et moun qui était là yo yo conscient que pays d'Haïti a marché là au bord de yon explosion et yo pensait faut qu'on fait quelque chose. Mais nous avons responsabilité pour nous faire promotion de la paix positive à partir de 8 piliers ça yo. Mm-hmm. Maintenant nous dit eh bien et ça fait dans toutes les régions et le fait que l'a fait dans plusieurs côtés dans la région hein, eh bien une solidarité entre différentes plateformes pour dire comment ça y en Haïti ou même comment ça y au Pérou ou même en Argentine comment ça y etc. Est-ce que ouais nous intéressé vraiment pour lutter contre corruption pour essayer travail pour travailler sur inégalité sociale yo? Oui nous gagner ça entre nous ça encourage nous un petit peu mais là nous rencontrer et première organisation que nous te rencontré là eh bien nous te ouais que l'était montré li positif mais c'est lui-même qui a fait. Nous pas gagné ni temps ni ressources ni compétences tout pour nous faire. Mais dis-moi, recueillir point de vue après. Oh, mais justement, si yo même, c'est pas que nous pas cap modifier au fond sur yo non. Supposons que et dans question et gestion de transparence des ressources économiques et financières de l'État. Supposons que les institutions telles que le groupe croissance, forme économique, supposons que vous rencontrez au podium document. Eh bien, document ça, nous-mêmes, nous avons droit avec vous, faire plaidoyer pour lui. Okay. Ouais, faire plaidoyer pour lui, ni en Haïti, mais aussi sur le plan international, pour dire Haïti, dans cette situation-là, économie nous mal gérée, et ça gère une menace pour sombre population en catastrophe. Le secteur économique, le leadership économique au niveau de la société civile, ils ont monté un papier, ils ont dit, mais comment que vous cap comprendre? À ce moment-là, nous-mêmes, société est capable, disons, pour tel, mais religion pour la paix, capable de participer, non, faire plaidoyer pour que nous assurions que le prochain leadership politique ou bien leadership politique que nous gagnons, c'est lui-même qui applique. Est-ce que ça veut dire la décision a déjà faite en dedans espace de société civile qui gagne compétence et autorité pour dire mais qui ça pour faire en économie? Si je prends un exemple concret, il y a des rumeurs que nous avons dans la société qui dit les autorités qui ont sorti, ils ont pris 20 000 dollars, ils ont gagné 20 000 dollars et américains perdent. Bon, ce n'est pas bagaille pour te tendre dans la société. Parce que c'est, nous ne parlons pas de si fait-il pas fait, non. Pas même quoi, c'est vrai. Bon, personnellement, je ne peux pas quoi, c'est vrai. Parce que je ne sais pas si possible, nos pays, tant qu'en Haïti, qui gagne un gros taux de monde qui mourir grand goût ça pour que ça fait. Je ne sais pas quoi. Mais maintenant, admettons que les fait. Eh bien, il y a une raison qui a fait le fait, c'est parce que pas de gagner dans la population qui est souveraine, pas de gagner des espaces en dedans. Population hein, qui te dit pour yo même mais comment pour lié même question salaire au monde qui ministre salaire au monde qui député salaire au monde qui sénateur si cette société en tout cas les espaces de gestion de ressources économiques et financières pas doit quitter ça pour que son politicien qu'a décidé il faut te décider avant et faut que société a te accepté c'est comme ça qu'elle y est avant mais ne reste pas être ton homme de temps pour que discussion ça ait fait dans niveau organisation yo et puis nous même après pour continuer avec pour nous mettre d'accord sur un document commun nous même nous pas capable tête nous on temps pour nous dire que dans tel délai n'a fait telle chose parce que nous pas de dans tel de toutes les risques.
ressources, d'une part, de beaucoup de ressources. C'est ça nous a fait. C'est très peu. Pour exemple, qui montre que nous avons très peu. Mais nous comptons. L'air grave, mais c'est ça qui fait que nous, alertés, nous comptons sur bonne volonté, détermination et engagement chaque sphère dans la société. Parce que il y a des côtés qui disent, mais il y a des bagages pour nous renvoyer tout de suite. Il y a des bagages. Il y a des choses qui ne doivent pas faire, mais. Ou qui ne doit pas commencer à construire les murs du bien, mais au moins ou capable d'arrêter la construction de la cathédrale du mal. Parce que gen des bagay kap fait en Haïti et qui continue à faire, nous capable dire mais non stop, nous camper sur yo parce que nous rendons compte que ça pas ba nos résultats. Mais nous-mêmes nous censés si aujourd'hui religion pour la paix pas faire rien encore, n'a sorti avec la conviction d'avoir fait au moins quelque chose. Au moins parce que document ça n'a publié et nous commencer publier déjà les noms journalistes document la paix positive là et nous commencer rencontrer quelques organisations mais nous pas capable rencontrer tout. Gela d'ailleurs nous pas même besoin rencontrer nous simplement attirer attention on a fait ça déjà. On a un exemple concret la question d'éducation la politique d'éducation comment pour éducation faite en Haïti on pas capable un politicien vient dire comment pour éducation faite au pays. Il faut que les professionnels des sciences de l'éducation les normaliens tout côté que réunis soit dans syndicat ou gagnent une quoi que gagnent structure soit copie à ne pas songer mais gagnent structure qui rassemble les recteurs d'université et ce sont les recteurs d'université à travers leur structure qui pour dire comment la vie universitaire, comment la question universitaire doit être traitée. Et il faut qu'on ait un document qu'on produit, qu'on fait plaidoyer pour lui, qui est accepté par l'ensemble de la société, que une fois qu'on a un document, ça, l'on choisit un politicien, choisit un monde comme président ou autre, nous choisissons pour faire ça. Et là, on finit de mettre un ministre, si ministre-là, pas fait, eh bien, c'est en référence à un document, ça, à commencer par le secteur de l'éducation à tous les niveaux jusqu'à l'éducation supérieure capable lancer à l'aide pour dire société haïtienne attention mais pour voir ça mettons ministre d'éducation là il pas faire ça nous débat le faire bon c'est nous même voilà. Fait là certains moments après élection Balaguer puis à Gomes ça tu un gros parle en pile et Balaguer dans le camp résumé mandat finalement société dans ses composantes yo réuni yo mettez d'accord son document qui garde santé éducation économie etc que tu relais la volonté de la nation la volonté de la nation justement et puis là maintenant quel que soit le gouvernement guinéen il est tenu à respecter sa tête et c'est là nous besoin lui si vous comprenez oui c'est ça nous voulons faire c'est ça parce que l'autre doit faire dialogue tu as parlé avec quelqu'un puis le marronnage dans ça faut que nous décidions ça n'a fait et par là ça nous besoin faire non mais politiciens seulement politiciens capables de gagner de bonne foi mais c'est trop pour yo et tout déjà gain ça que nous estimer qui fait des efforts insuffisants. Moi, pour un exemple concret, nous tendons une note qui sortit dans l'espace économie. Et notre là, c'est une note de protestation par rapport à une décision qui était faite dans le ministère des Finances de l'économie. Et puis, mon ami, un pasteur dominicain, nous parlons pile, nous avons parlé de ça. Monsieur dit, en République dominicaine, pas aucun ministre des Finances qui va permettre de faire une décision. Après ça, pour attendre que des instances de l'économie dominicaine n'ont dit que vous ne connaissez pas. Non, vous ne pouvez pas faire décision. Vous pouvez rencontrer nous d'abord. Nous avons discuté l'idée qu'on gagne. Et vous ne pouvez pas faire décision si, en dedans société, vous n'avez pas estimé décision ça, c'est la décision pertinente à faire dans le moment. Pour le moment. Il dit c'est ce qu'on a privé en Haïti. Non, pas dit que. Mais ça, tout fort que mon Dieu a le sens du bien commun. Parce que, une fois, vous avez fait une bonne décision, mais comme les papes n'ont été en clan ou en groupe, il ne faut pas faire. Eh bien, justement, il ne faut pas faire en battable, pas de transparence. Parce que, mon n'est pas capable. Bon, pour exemple, qui côté décision ça a fait pour que nous gagnions aujourd'hui 147 parlementaires? Qui est-ce qui fait décision ça pour les ici? Nous pensons que les ici ont besoin de tout parlementaire ça? Oui! Haïtiens besoin d'une institution parlementaire, mais nous pas besoin, il pas nécessaire pour nous gagner tout parlementaire ça. Qui compte des décisions faites, pour exemple concret, qui compte des décisions ça fait et qui est-ce qui bail droit pour décider d'y faire geste à la chambre des députés. Au cours de ça, dans une interview, de un député qui parle avec un journaliste,
journaliste t'a posé question sur affaire en cob que était bail et puis député a dit à tel moment exécuté la t'a décidé font geste à chambre député a mon côté me dit un sentiment colère pour des raisons voilà ouais. La première raison qui fait un sentiment colère c'est que député ça son député me gagne beaucoup de respect pour lui son jeune gagne beaucoup de respect me dit paraît que notre structure étatique corrompant a détruit tout le monde parce que ce jeune homme pas de sentir non pour ça d'une part mais d'autre part aussi mais quel manque de respect pour la population. L'argent n'appartient pas à l'exécutif. Où est la société civile? Voilà. L'argent n'appartient pas à l'exécutif. L'argent, premièrement, il y a l'exécutif qui décide de faire un geste qui n'est pas défini et qui ne devrait pas le faire. Mais il y a aussi la Chambre des députés qui a accepté, qui accepte de recevoir ce geste. Et voilà, ça veut dire c'est inacceptable. On va pas esquiver ce civil-là parce que, voilà, bah, l'on dit 57 et parlementaire, mais c'est pas en bas, il faut cachette, on connaît. Pour que ça soit civil, là, on va dire, bon, bah, la colle, on savait ça depuis tout. Mais justement, moi-même, j'ai l'autre apport, c'est Gino. Au lieu de dire, pour qu'il soit pas de fait, pour qu'il soit pas de fait, pour qu'il soit pas de fait, qui gagne un ton accusateur, je préfère dire, nous pas de fait, qu'on y en fait là. Parce que, gagner en tendance pour nous essayer accuser quelqu'un de tous les péchés d'Israël. Ou gagner pression, gagner un peu le monde qui a dit. Aujourd'hui, par exemple, gagner un rapport qui a accusé 4 administrations. Mais gagner l'impression qu'il a parlé de un monde. Non, ce n'est pas un seul monde. Parce que c'est nous toutes, soit nous t'es activement cause ça ou bien passivement. Ça arrivait à cause de ça, on série de monde fait. Mais ça arrivait tout à cause de ça, on série de monde pas fait. Maintenant, on nous garde ce qui ça nous te doit faire que nous pas de fait qui fait ça arriver nous. Eh bien, nous commençons à faire ça nous te doit faire. Moi-même m'exprime même là, oui, m'exprime même pas. C'est pour une discussion qui fait dans religion pour la paix et c'est une religion pour la paix qui dit. Parce que les comme citoyen haïtien dit, l'ogade yon petit territoire de 27 000 km² qui est surpeuplé avec plus de 11 millions d'habitants parce que la République dominicaine gagne deux fois plus de territoire pour nous, nous gagnons à peu près la même population avec. Ça veut dire que nous sommes surpeuplés avec une pauvreté qu'on ne peut aucun côté dans la région. Pour moi-même, c'est une absurdité que l'État haïtien, pour ses frais de fonctionnement de l'État, que vous dépensez tout l'argent, ça vous dépensez trop. Et pour une façon pour diminuer la quantité de dépenses qu'on fait dans la structure de l'État, eh bien, il faut diminuer la quantité de monde qu'on paye. C'est pour nous gagner un sens de justice par rapport à votre propre pays. Si je fais une boutique et que je besoin de 3 personnes pour la boutique fonctionner normalement, je ne peux pas engager 9 personnes. Bon, si je ne peux pas engager 9 personnes, mettre 6 personnes en plus pour me craser la boutique moyen. Pour qui ça? Pour mettre pile monde sa yo, tout monde sa yo, Haïti a poté le peuple ouais monsieur sa yo qui gagne un chiffon nan men yo kap siye machine de yo ba qui casser que monde. Eh bien monsieur sa yo, yo c'est monde kap cotiser pour yo contribuer parce que s'il siye machine ou belle sans goud mais peut-être que s'il veut les citoyens gagner des petits minimums qu'il besoin, au moins s'il veut gagner une carte électorale, c'est vrai, gratis, mais faut payer camionnette pour marcher pour aller dans le bureau l'ONIA, donc ça a un coût pour payer carte pour gagner carte là. Eh bien, quelque part, lui contribuer. Lui contribuer dans la vie pays, même si son contribution informelle. Mais ce n'est pas normal, c'est sous dos cette majorité que nous gagnons. Parlement pléthorique, gouvernement pléthorique, avec des avantages décidés à partir des sentiments des politiciens. Mais parce que il n'y a pas de référentiel défini par la société pour dire mais comment n'a fait, mais ça nous gagne, mais comment n'a géré pour tout le monde. Qui pense que société fait religion pour la paix, venir encourager le dialogue, il va ça du tout. Non, mais dialogue entre qui est ce qui est. Note là, sous l'île bien, des mouns qui gardent l'encontre n'ont pas parlé de dialogue. Bon, ça tape un non-sens, peut-il nous parler de dialogue. Dialogue, bon, autant que je me songe, moi, avoir un cas de dialogue là, pas vrai? Deux mouns qui parlent, pas vrai? Et c'est sans ça, je pense qu'il y a quelqu'un, mais comment nous parlons well? Nous-mêmes, nous, notre nom, lui exprimer premièrement notre préoccupation, deuxièmement notre inquiétude, et troisièmement, si je m'appelle le mot clé de la note, c'est préoccupation, inquiétude, alerte. Et qui est-ce nous alerter? Nous alerter
toute société haïtienne, y compris la classe politique, sur le fait que sa classe politique la baille comme résultat, il n'est pas suffisant pour faire grand chose pour nous. Et puis nous dit, société civile, attention, mobilisez-vous pour produire quelque chose, pour bailler une route à politiciens. Et puis nous dit, nous qu'à contribuer. Nous pas qu'à faire, nous pas gain moyen pour nous faire, mais nous qu'à contribuer. Nous pas parler avec mon cap du GVIO, préparé national, Mathieu, allemand. Pour l'instant, nous estimons que au niveau de la classe politique, avec au niveau du pouvoir et au niveau de l'opposition, nous estimons que ça est offert pas suffisant. Parce que nous assistons au fait des choses. Mais ça y offert pas suffisant. Et que nous choisi allemand de société civile à faire quelque chose. Évidemment, si société civile là fait quelque chose, eh bien, si il y a une opportunité pour nous parler avec eux, et il y en a nous qui essayer le dans téléphone, il y en a responsable pouvoir, ne serait-ce que pour nous faire connaître que n'a fait effort ça pour pas mal interpréter. Oui, justement, on même plateforme là que nous te bailler responsabilité pour reler président Jovenel même. Il reler président, téléphone dans sonner sans réponse, poko appel là poko tourner, même tout profiter deal là. Raison c'est pour nous faire président Jovenel connaît et faire monde qui au pouvoir connaît mais qui démarche qu'on a pas entreprendre et dans qui sens qu'on a pas entreprendre pour ça pas mal interprété parce que ça nous commence à faire là dans secteur côté monde vraiment pas vle président Jovenel yo est en colère contre nous il y a d'autres qui rele nous qui dit nous tourner encore venir sauver le président Jovenel encore ça veut dire que nous tellement en colère yo dit venir parler de dialogue et dès que pas faire dialogue non ça veut dire que même gens ouais secteur qui opposé à président Jovenel yo pour que nous pas aider président Jovenel là ou on doit ouais secteur qui proche président Jovenel aussi senti pain gare religion pour la paix à mobiliser contre nous c'est pas ça n'a fait du tout ça n'a fait n'a pas tiré attention sous situation qui arrive dans bout li qui vient au point là si nous pas faire rien vraiment n'a pas long côté que pièce moun et au pas ca contrôler et puis nous fait appel à la société civile pas au détriment, pas contre la classe politique, mais nous pensons que sa société civile là, lui-même lui construit comme politique dans différents secteurs de la société, eh bien, il est capable de constituer un référentiel, un cadre de route pour le monde qui a dirigé. Nous suggérer que société civile a bay tête le pouvoir d'abord. Bay tête ou pouvoir d'abord, c'est que ou bay document sa autorité avant choisi. Et c'est ça fait que moi-même, m'pas trop encourager moun aujourd'hui vin parler peuple haïtien de élection. Pas dit peuple haïtien pour choisir moun pour aller faire un bagage que peuple va pour décider qui ça va faire. Nous essayer ça en pile temps li pas marcher. Maintenant encourager tout le monde travaille ensemble pour définir ça n'a fait sous le même modèle dominicain parce que pas aucun mal si à côté nous là nous un groupe monde qui a un problème pour sortir dans problème là un gens ont fait et ça va résultat m'pawe pour qui ça pour que nous pas mandé moun yo bon en religion pour la paix nous pas écarté possibilité pour nous soit aller en République dominicaine prendre contact à moun qui facilité facilité question ça qui était là dans nous pour nous bénéficier d'expérience nous connaît que l'église catholique l'église anglicane et les églises évangéliques réunies dans une institution qui est le CODWE c'est confédération de l'unité évangélique de la République dominicaine et nous connaît des pasteurs qui là nous on parle avec eux déjà mais nous devons demander au conseil comment on fait c'était ça c'est hein? Facile parce que au moins nous était d'accord chita même nous qui pas d'accord une clôture nous était d'accord chita je dis à une plus gros problème avec c'est que nous pas d'accord chita pour discuter même si nous pas d'accord même si nous avons peut-être un bon espace pour nous pas d'accord avoir mais au moins faire chita pour nous faire oui mais au moins nous même faut que nous essayer inviter au chita c'est ça nous fait là oui nous inviter n'a pas sensibiliser n'a pas encourager non puis l'appel nous gars puis l'appel qui fait déjà pour que politiciens chita politiciens mais ça c'est élément nouveau dans ça nous ont gens à encourager motiver sensibiliser société civile là qui vous dit que déjà des monde sans que nous pouvons même rencontrer yo que yo pas déjà dit quoi ça religion pour la paix dia nous t'es réunis déjà mais qu'on a nous réunis dans sens ça qu'on y a là on nous réunis pour que nous définir quelque chose mais dans société civile là mon y a une belle autre
société, je dis à côté, tout le monde fait tout le monde. Ah, définitivement. Ouais, et puis, question coquin, Kouba, ou par contre, ça va être la carrefour après. C'est ça la lié, je dis. Oui, mais nous-mêmes, tout, nous avons raison. Nous réfléchissons en pile, ou nous ne parlons pas en pile. Parce que, bon, d'ailleurs, nous sommes une institution qui ne parle pas en pile. Bon, la fois que nous parlons, on va comme on lapide nous. Donc, mais. Souper pour que moun pa parce que finalement faut gagner un minimum de confiance qui est fait moi même gagner des pasteurs qui dit que ou pas jamais invité parce que Clément vient prêcher dans l'église yo parce que pasteur Clément chita dans réunion avec Evoni catholique Evoni c'est vaudouisant et bien bon qui te mêle ou pasteur l'église là c'est ou même qui gagne job pour prêcher. C'est où toucher dans le budget de l'église là pour prêcher, mais prêcher, prêcher. On n'est pas obligé. D'ailleurs, quand tu as une invitation, on n'a pas de temps pour me répondre. Ça va déranger. Qu'on pas invité à prêcher dans l'église, mais moi-même, on fait un travail de conviction. Mon cher, il arrive que dans une émission sur l'autre station de télévision, cher Evoni, elle fait une blague, dit comme ça, que a passé à connaître que c'est mon beau pasteur. Aïe, aïe, aïe. Après ça, nous dit, Evoni dit que c'est mon beau, etc. Alors que mon cap dit ça, il connaît bien propre. Si un pasteur qui est mon beau, c'est pas dans la télévision, ça a dit, ça a réglé. Il y a un qui l'est au fait de la caille. Justement, parce que Clément pas vaudouisant, ni pas de mambo dans le sens. Même bon compatriote qui est venu, nous travaillons ensemble avec lui. Et tout l'autre monde, quelle que soit la religion. Je crois que cette mentalité de son sorte de paranoïa qui développe moun pe moun, moun, etc. Mais il faut que nous commencions par confiance. Parce que méfiance n'a pas mené aucun côté. Il faut qu'on prenne risque quand même qu'on fait confiance à même monde qui est adversaire. Là. Et c'est dans toute classe qu'il y a des gens qui adversaires, des gens qui concurrents. Mais il faut qu'on prenne risque quand même, faire confiance pour nous chita parler, nous identifier des sphères côté intérêt nous tous les deux chita. Ça, ça qu'elle fait là, ça me croit que tu as eu fait rapidement. Parce que là, j'en ai dit tout à l'heure, l'heure est grave. Les gens vous l'appellent, dit, les pasteurs, les gens vous l'appellent, il y a une inquiétude. Et j'en dis, ah, les nerfs sont à fleur de peau. Frustration en pile, moun yo en colère, moun yo ou sous bataille et j'ai l'impression que chaque monde campé son bit pour ne faire pas. Pas de monde qui veut bouger. Tout le monde a pris les draps. Je veux dire là, qui coûte même nous quoi nous katakabaye pour nous faire des gels plus ou moins dans la situation qui t'a facilité la rencontre, discussion faite avec sérénité, avec calme, avec retenue pour que décision prenne pour nous sortir côté ni là. Bon. Ma prédit même bagarre là, c'est que nous avons beaucoup de limites. Nous avons dans la sphère société civile là, ça pour nous dire, nous dit déjà. Si dans la semaine ça même, je dis c'est mercredi c'est ça. Si dans la semaine ça même, que nous t'a apprendre. Si nous sans que nous pas même rencontrer, bon nous pas même local. Bureau le jour pour la personne, tantôt bureau mon c'est du matin, tantôt bureau l'autre même. Nous pas un bureau, nous pas un local. Et c'est parce que c'est un bagage que nous offrir le maximum de ça nous gagne. Et puis nous dit nous calo la caillou. Et si nous pouvons joindre nous dans téléphone, eh bien invitez-nous tant que nous t'a cherché hier soir téléphone dirigeant ami, dirigeant ANMH. Et bien son journaliste qui bon qui dit m'a voyer téléphone ou sur WhatsApp, si m'a côté nous d'abord mais voyer parce que le pouvoir voyer nous même. Va faire joindre. Donc après Léo n'a dit yo, n'a venir côté inviter nous, nous pas côté nous même pour nous on a venu jouer nos côtés que pour nous dire s'il vous plaît média yo pour gros rôle yo capable jouer non propager l'idée ça non faire sensibilisation ça pour dire aujourd'hui eh bien ça qui intéresse nous n'a défini qui ça n'a fait pour une sortie en tant que peuple en tant que nation et même nous pas écarté possibilité pour nous rencontrer tout le monde qui prononce sur question et par exemple il y a une façon que international a fait diplomatie en Haïti eh bien peut-être que l'état bon pour regarder encore est-ce qu'elle mérite réviser moi tendez une note du corps groupe et une note de l'Union européenne il y a un élément qui est commun dans toutes les notes c'est que il m'a dit parler de réforme. Évidemment, Haïti besoin de réforme. Gen moun di non, c'est pas réforme, faut que c'est révolution. Mais écoutez, on n'a pas trop bataille sous mot qui ça nous va le faire qui dégrée ça fait mais au moins même si vous tapez font révolution, il te paraît peut-être bon pour te commencer par une réforme. Et si réforme n'a bon résultat comme t'as tenu, ou pas besoin de faire révolution. Et puis je pense que au niveau de l'international, de la communauté, au niveau du corps groupe, ils ont mérité faire une réforme de leur façon de voir, de percevoir et de comprendre Haïti. Parce que cette façon
de comprendre et d'agir, ça ne donne pas de résultat. Parce que aujourd'hui, si vous considérez Haïti comme un échec, mais échec là, c'est un échec partagé entre Haïti et l'international. Parce que nous avons dit, depuis 1994, et même avant, depuis même lorsque, au niveau de l'OEA et au niveau de la communauté nationale, on a décidé de mettre un embargo sous Haïti pour faciliter le retour du président Aristide après le coup d'État, eh bien, et l'État international commençait à mettre Haïti sous un coaching. Et dès 80 et des années 90 à nos jours, tout ça Haïti y est comme résultat. C'est résultat des acteurs sur le terrain en Haïti, mais aussi son résultat qui baille sous coaching international. Nous connaissons quand c'était mission des Nations Unies, MINUA, MANU, MIPONI, MINISTA, MISIVI, MINIJUSKONIALA, et qu'on y a là, qu'on l'autre mini qui a préparé son autre mini pour politique, pas connaît. Mais tel y a tellement de mini. Donc, tout paquet, ça qui devant nous aujourd'hui, c'est une sorte de souffrance, d'échec et même de honte partagée. Enfin. Et nous dit le partager parce que c'est à notre honte ce qui arrive chez nous, mais c'est aussi aux jeunes, sinon à la honte de la communauté nationale. Ça nous besoin de faire aujourd'hui, c'est, nous reprenons même mot qui dit, c'est réforme. Non? Et cette réforme, c'est essayer de revoir notre façon de faire à comparer à un référentiel qui décide que c'est ça qui est bon et pour essayer de changer et nous capables de voyager de cette honte, de cet échec partagé à un succès partagé, à un bien-être partagé. Je pense que au niveau du corps groupe, si on accompagne le processus ça, peut-être dans un an, il a dit à nous contents de soutenir Haïti pour Haïti qui ça l'a fait d'abord. Après ça, Haïti va décider s'il a fait élection, qui est-ce qu'il a choisi et par quelle méthode l'a choisi. C'est ça que l'a dit. Je vais finir parce que je vais arriver. Je vais arriver dans le pays là. Religion pour la paix, peut-être. Un peu moins pas de comme ça. Mais il était fait, nous avons rencontré un peu l'acteur politique. Nous avons rencontré l'autorité dans le pouvoir, nous avons rencontré les gens dans l'opposition. Nous avons essayé de faire contact pour que ça ait été fait. Nous disposons de faire même ça encore, je veux dire, parce que nous sentons d'un côté comme de l'autre, une parle pas la clôture. Et de toute manière, c'est au capteur politique là. Si pas grand temps qui rejoignent, c'est pays à cap perdu. Nous disposer, mais nous avons des engagements. Nous avons des engagements à prendre. Il y a beaucoup d'engagements. De côté comme de l'autre. De côté comme de l'autre. Dans l'opposition. Oui, des deux côtés. Nous avons des engagements à prendre. Au moins, si nous avons des minimums, nous demandons pour signer un acte de bonne volonté et de bonne foi. Il faut que nous signions le banon. Il y a beaucoup de signer. Et on a tout profité de dire ça quand même. Non, il faut qu'ils soient engagés, puis ils disent nous avons une bonne volonté, nous avons une bonne foi, il faut qu'ils signent ça. À ce moment-là, on a dit si c'est vrai, ou avez une bonne volonté, ou avez une bonne foi, par conséquence, mais ça que nous estimons que vous devez faire qui allait dans le sens de cette bonne volonté, de cette bonne foi exprimée, mais ça aussi qu'on pas doit faire et moi pas doit dire qui allait dans le sens de cette bonne foi et de cette bonne volonté. N'attendons que ça commence. Et si ça commence, nous avons toujours fait la même chose. Mais là où nous dit que nous avons une capacité, là nous tendons en pile son, le niveau de manque de pertinence interne par rapport à de ça qui dit et manque de cohérence entre ça qui fin dit et ça qui a dit permettre que nous tirions conclusion globale que énergie au disposé mettez dans service pays a pas suffisant pour faire un bon pays. Pasteur Clément, merci un peu. C'est moi qui vous dis merci. Voilà, notre invité ce matin, le révérend pasteur Clément Joseph de Religion pour la paix Haïti. Il fait office de secrétaire général. Tu as commenté dernier notre Religion pour la paix Haïti. Fait sortir, sois avec nous dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci, pasteur. Merci.